Bonjour, c'est Yannick et j'aimerais bien vous partager comment vous pouvez retrouver votre téléphone si vous l'avez perdu. Et je parle aux utilisateurs d'iPhone et d'Android. Je vais vous montrer les processus que vous devez suivre. Le processus numéro 1, donc votre téléphone doit avoir un compte de Google comme ça. Pour les utilisateurs d'iPhone, vous devez avoir iCloud actif dans votre téléphone et vous devez avoir la synchronisation. La synchronisation, c'est très important. Il faut aller dans les paramètres et regarder là où c'est enregistré compte et vous allez trouver le compte de Gmail pour les utilisateurs d'Android. Et il faut cliquer sur la synchronisation. Et la deuxième étape, donc, il faut utiliser un autre appareil électronique et vous devez mettre votre compte de Google. Et après ça, vous allez écrire comme ça, retrouver mon téléphone, retrouver mon téléphone, retrouver mon téléphone. Vous cliquez sur Entrée et vous cliquez sur le premier lien qui va apparaître ici. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup de téléphones qui sont enregistrés sur mon compte. Mais je suis en train de chercher celui-ci qui est Motorola i5. Donc, je suis ici à Kigali. Il y a 15 minutes et j'étais en ligne. Et donc, je vais cliquer sur ce téléphone. Mais je peux vous dire que le téléphone peut être localisé ici. Donc, vous pouvez facilement trouver la location de votre téléphone. Mais si vous voulez le trouver physiquement, vous pouvez cliquer ici. Et vous attendez et vous devez avoir la patience. Et il faut patienter un peu. Vous voyez que le Google est en train de localiser mon téléphone. Et il est en train de localiser mon téléphone. Comme ça, vous pouvez cliquer sur le bouton prise. Oui, c'est ça. Je suis ici sur cette route. Donc, vous voyez que mon téléphone est connecté sur le Canard Box. Et je peux téléphoner mon téléphone. Donc, je vais essayer et voir si ça va fonctionner. Donc, je vais cliquer ici sur Play Sound. Et mon téléphone doit être connecté sur le réseau pour qu'il accepte mon appel. Et si votre personne n'est pas si votre téléphone n'est pas connecté sur le réseau, donc vous verrez là où il est, mais vous ne serez pas capable de téléphoner. Donc je vais jouer un son ici et je vais cliquer ici. Vous pouvez comprendre que mon téléphone est en train de sonner et c'est très très bien. C'est comme ça qu'on retrouve un téléphone qu'on a perdu. Merci beaucoup. Et comme ça, je vais arrêter. J'arrête. Vous pouvez attendre que mon téléphone est en train de sonner encore. C'est parce qu'il y a un problème de connexion. Donc, la connexion n'est pas très forte ici. C'est comme ça qu'on retrouve un téléphone qu'on a perdu. Vous pouvez utiliser cette application aussi en retrouvant les Bluetooth. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont des écouteurs de Bluetooth. Ils peuvent utiliser des applications comme ça. Donc, vous pouvez retrouver un Bluetooth que vous avez perdu. Merci beaucoup.